يا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وعابدوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربت به إلى الله أبلغ المفروضات وخير المرعي ترك المحرمات وآتى المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم للمحافظة عليها في سائر الأوقات تنصروا وتجبروا وتنصروا إن عدوا تتضافر الدنيا والأيام قد عاد والقبر خائفك والنار مخبرك فريق في الجنة وفريق في السعير كما في موقع التنزيل المستهيل في حقه الترتيب والتزوير وطوبى لعبد بصرت قلوبه فبدات قبل الفوات وعطى عبده معد معاده قبل غلو المبات فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الحمد لله ربنا اسال الله سبحانه وتعالى nous voici une autre fois dans les mains du Tout-Puissant Allah, doublement reçu par Dieu le même jour. Dieu a voulu que cette année, le vendredi coïncide avec le jour de l'Eid al-Adha, ce qui est une grâce doublée pour ceux-là qui ont de la clairvoyance. Ce matin, par la contrainte du temps, on n'a pas pu entrer dans certains développements, surtout en langue française et en langue normale. Ceci étant, nous voulions dire qu'aujourd'hui, tout musulman doit pouvoir se mettre à la disposition pour recevoir les grâces d'Allah. Je dis bien les grâces d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Qu'il y a l'Inna et fi ayyam ida rikum nafahat » Vous avez des jours de grâce. Mettez-vous dans la disposition pour recevoir ces grâces qui conviennent à la Le jour du fête ou de la fête de l'Eid al-Adha est un jour de grâce. Mais c'est un jour qui nous rappelle un grand sacrifice. Nous l'avons souligné. Les imams l'ont dit, mais je pense que peu de musulmans l'ont compris. On a essayé de faire le parallèle entre le sacrifice d'Abraham et la disposition spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abraham, certainement, a vu en songe qu'il était en train d'épouser son fils, ayant reçu une porte de son Seigneur. Et il a dit à son fils, oh fils, je vois en songe que je suis en train de gorger. Et cela par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fils qui s'était assujetti à la volonté de Dieu, qui était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à la tête d'Allah, je vois, ça va juste une chère pour la soirée. Le grand père, fais ce que Dieu t'ordonne de faire et tu te nourrirais du monde des patients, de ceux-là qui se résignent à l'aimer de Dieu. Cela doit pouvoir nous enseigner quelque chose. Cela nous enseigne que nous-mêmes, êtres humains, nous ne connaissons même pas le véritable bonheur. Nous-mêmes, êtres humains, nous pensons que la pitié est une grande dimension. Mais Dieu nous montre que la miséricorde va au-delà de la pitié. Quand les deux ont accepté, le père qui est Abraham, le fils qui est Ismaël, Dieu les a épargnés. On fait des liens pour les épargner. Nous l'avons acheté par une grande émotion. C'est ainsi que Ismaël fut sauvé. Mais dans la réalité des choses, Dieu n'avait nullement l'intention d'évoquer ça.
dans la dîme pour qu'on revienne dessus. Mais ce jour doit pouvoir nous démontrer notre compréhension des slogans que nous utilisons pendant toutes les prières, qui est le slogan suivant, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Quand nous disons Allah Akbar, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est grand. Nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est plus grand parce que nous le comparons à quelque chose. Parce qu'en réalité, Dieu n'est comparable à rien. Il est le créateur. On ne peut pas comparer la créature au créateur. Mais cependant, l'être humain souvent, par ignorance, l'amour qu'il a dans son cœur ne vient plus grand que l'amour qu'il a pour Dieu. L'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour son enfant, l'amour qu'il a pour l'argent, l'amour qu'il a pour Dunia, tous ces différents amours peuvent prendre la place de l'amour de Dieu dans son cœur. Sachez que Dieu est un Seigneur très jaloux. Voilà pourquoi il insiste beaucoup sur son diversité. À tout dire, « la chérie la yarda bin isdeliya, wa la yarda bin nimtimo bin shariki. » Il n'accepte aucunement qu'on lui associe quoi que ce soit. Quand tu associes l'amour de Dieu à un autre amour, automatiquement, la jalousie de Dieu se déclenche. Mais surtout, quand tu es un ami de Dieu, et pas n'importe quel ami, un ami de Dieu comme Ibrahim, on appelait Abu Tawhid, le père de l'unicité d'Allah. Celui-là que, en réalité, son cœur ne peut pas être un habitacle d'amour d'Allah. Le voilà qu'il est en train d'aimer son enfant. Dieu lui dit, je veux que tu m'offres cet enfant. Je veux que tu acceptes que tu offres ton enfant pour moi. C'est difficile pour un père d'accepter cela. Mais en réalité, Dieu veut que tu m'offres cet enfant. Moi, je vais faire ce que je dois faire. Ibrahim a dit cela pour cela avec une grande foi. Et c'est cette foi-là que Dieu veut nous inviter à découvrir. Avoir une foi aveugle en Allah. À tel point que si Dieu te disait d'égorger ton fils, tu serais prêt à le faire. À tel point que si Dieu te dirait de te égorger toi-même, tu serais prêt à le faire. Ibrahim n'a pas hésité un seul instant. Son fils Ismaël aussi n'a pas hésité un seul instant. Ils se sont conformés à la volonté d'Allah. Et Dieu les a épargnés. Parce qu'il a montré que sa miséricorde pour Ismaël est plus grande que la pitié d'Ibrahim pour Ismaël. Et cela nous a rappelé et dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète Mohammed, il s'est toujours tourné que pour sa communauté. Toutefois que Jibril, alayhi wa sallam, descendait, il disait à Jibril, où m'a-t-il, toujours sa communauté, toujours sa communauté. Et Dieu lui a dit dans un hadith sur le Qudsi, si tu es Ibrahim, nous déplaçons le sort de ta communauté. Si tu veux, tu les mets tous au paradis. Et moi, Dieu, j'ai accepté. Regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que si c'était moi, ou l'imam Boud, ou aussi le connaît, ou n'importe quelle personne, il dirait à Dieu, Dieu, donne le paradis à toute ma communauté. Et il considérait que c'est ça la miséricorde, c'est ça la pitié, c'est ça la bienveillance. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît Dieu plus que tout le monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a confiance en Dieu plus que tout le monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît les profondeurs de la miséricorde de Dieu, Rahmani yatubu wa Rahimi yatubu. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, la wa kanda, fa anta arhamni minni. Le beau Mohammed, ô Seigneur, c'est Mohammed qui parle à Dieu. Il dit jamais, ô Seigneur, je préfère que tu t'occupes de leur sort.
Parce que toi, Dieu, tu as plus de miséricorde pour eux que moi. Lui, on pourrait penser qu'il a de la pitié, mais Dieu a de la miséricorde. Une dimension qui va au-delà de la pitié. Le prophète reçoit de Dieu, fais de ta pauvreté ce que tu veux. Quand tu es tant préoccupé par ta pauvreté, tu te laisses le sort de ta pauvreté. Mon Mohamed dit non, 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 je préfère te confier le sort de ma pauvreté parce que toi, Dieu, tu as plus de miséricorde que moi. Toi, Dieu, tu as plus de pitié de ma pauvreté que moi. Cela fait partie des grandeurs spirituelles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, Isaac, l'amour ziyaka fi umatika abadan. L'amour ziyaka fi umatika abadan. Bon, Mohamed, sache que tu ne t'ignores point devant ta pauvreté. Et c'est une garantie pour nous, nous autres, les adhérents du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a pris la garantie au prophète Mohamed qu'il ne va pas humilier la pauvreté du prophète Mohamed devant le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose que Seyyidina Ibrahim a fait. Donne-moi ton enfant. Si tu acceptes, je ne veux aucunement t'humilier. Quand il a donné son enfant, Dieu l'a honoré. À tel point aujourd'hui, le monde musulman tout entier célèbre la grandeur de foi de Seyyidina Ibrahim. Cela doit nous interpeller à comprendre que nous devons chercher cette dimension de foi. Si nous avons cette foi-là, nous avons la garantie absolue de vivre heureux aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala et accepter le décret de Dieu. Et cela nous rappelle un hadith sur le aussi où Dieu dit, Abdi, Antatoui ou Alaoui. Voilà, il y a un mouline. Et il s'attend à l'équipe de mouline, qui a fait tout un mouline. Et il n'a plus sa vie, ni de mouline. Attrape tout un film à mouline, voilà, il y a un mouline. Le haut serviteur, toi tu veux, moi tu veux. Mais si tu es sage, accepte ma volonté au détriment de ta volonté. Mais si tu n'es pas sage, refuse ma volonté. Mais sache que ce que ma volonté se manifestera. Donc si nous sommes malins, si nous sommes sages, nous devons pouvoir accepter le décret d'Allah, quelle que soit la dureté de ce décret-là, comme c'est un Ibrahim l'a fait, comme tous les prophètes ont rendu les forts. C'est ainsi que Dieu les a grandis, il les a honorés. Face à Allah, que nous soyons parmi ces grands-là, même les grands petits. Amala Foukala Bakada, Kara Wolumana Kaudia Kedina. So, à la CDI, pour Atikana, Amasé Kapuma Tchamo Fou, Marakana, nous sommes à tout le monde à la gloire, nous sommes à la Savanté. Mais Amala Foukala Bakada, nous sommes à l'élément de Nien Kishinka, à l'Esséba d'Amba Bissoukala. Kapuma Tchamo Séli d'Amba, du Bafé, Nien Terek Bafladé. Les mamans à Chinon disent non, nous ne sommes pas encore de recevoir chef dans le gouvernement. Président, il t'a reçu le matin, il va te recevoir à midi, c'est le premier ici. Mais le tout qui sont là, avec son papa et son pouvoir, quand vous pouvez être au nom, ni qu'à tel chien qui est veillé, n'a pas de gré. Avec la première guerre, un hier, à Philippe de Berdina, il a eu un hier, un hier, un hier, un hier, un hier, un hier, d'abord, il y a d'abord un paragraphe, une dimension qui m'a fait là. Aïe, quoi, nous faut, en gros, dès qu'il y a un tuyau là, il y a un autre fort, il est fier de nous là. Alors que la carte de l'idée d'un conseil dans la carrière qu'a fait dans le monde. Au Bosson, alors que la carrière de l'idée d'un Ibrahim au Wazina, a voulu qu'il dédie un saga à 15 gardiens, ni qu'à guérir par quel élément, ni à la guerre, ça paye. À des dîmes, à la dévoilée dîmes pour dégager le problème. À la carte à fond, il est à 31 cartes à la carte. Il m'a parti, il a une manière de boucher la boule. Mais quand il a fait la carte là, c'est un Ibrahim à part bon. Pour faire une carte, au cas où on a dit, mais à l'estime, il va y avoir un café qui va aller le diaspora.
de la fe. Alors la carrière qu'a beau qu'a décidé d'aller voir la carrière qu'a. Aya dit à garder à l'entrée à l'entrée. Papa a dit que tu es. Aya mouda kana. Aya mouda josa kana foka se. À l'entrée à son. Pour mouda dit à tu es. Nous pensons à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Au consom. Nika aya dit que tu es. Yen yin la ma kapele. Ni souna ki yin la la aye. Aye yin koye pour à la kati non pas qu'il y a. Aga salani. ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه اياه
وصلى علي مئة وصلى الله بها عليه ألفا وصلى علي ألفا لا فقد كتبه كتبي على ذلك الجنة عليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شفاء تجد ذلك عند الله هو أعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد بن عبدك ورسولك النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين المنير الأنوى سيدنا أبي بكر وعن سلال أهل الجنة الناطق بالثواب شهيد الهلال أبي حفص بن سيدنا عمر بن الخطاب وعن منطق الأموال في بيت الرحمن عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب بيت العلم ليث بن أبي غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زال ديننا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين اللهم احزن من كان في هلاكه راح المسلمين ودمر اعداء الدين واجعل اموالهم وزرائهم غنيمة للمسلمين وقل السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وتعاون وظلم ووباء أحفظ في ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا والوالدين ولمن سبقنا بالإيمان اللهم فرج هم سيدنا محمد اللهم فرج هم سيدنا محمد اللهم فرج هم سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم قوموا إلى صلاتكم يا رب الله Allah, Allah, Allah. Allah.
Ainsi c'est arrivé.
pouvez bien se faire mal, glacé et chaud. Il s'est déplacé. Pourquoi je roule? Je roule. C'est une blague. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبقنا في الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ربك ذو الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نفع عنه علي احمد الكم والقربان وثبت في ذكران والشوق والغبار فان رسول Allah, 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 All
Thank you.
maintiens, c'est ce qui est mieux pour nous beaucoup d'autres choses. Et le prophète Mohammed, bien sûr, va voir la réponse de la vie. Il est là où la vie pour m'écrire la main. Qui vous purifie mieux que toute autre chose, qui est même mieux pour vous que les membres de sable, pour aller sur le sentier d'Allah combattre l'ennemi, qui ne vous tue mieux que vous tuez. Le prophète vous dit, je suis le messager d'Allah, il est assez sûr à cette information de Dieu. Celui qui fait djihad et celui qui fait vicre de Dieu, il est mieux que celui qui fait djihad. Parce qu'en réalité, le zikr, le relais de la plus grande djihad, le combat avec le sabre, tue l'ennemi extérieur. Mais le zikr de Dieu tue l'ennemi intérieur. Quand tu tues l'ennemi extérieur, tu es appelé, ou bien qu'il te tue, tu es appelé soit Mujahid, quand c'est toi qui le tue, ou bien Shahid, quand il te tue. Mais quand tu parviens à tuer l'ennemi intérieur, tu es appelé Siddiq. Alors donc, avec ça, nous sommes tous devenus des Siddiqs. Alhamdulillah. Nous prions Allah, que Dieu confirme cela. Amen. Il y a quelque chose de très fort dans ces 10 jours-là. Dieu a caché Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. N'est-ce pas? Mais Dieu nous a révélé le jour de Arafat dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Laylatul Qadr qui a dit Tanazzalul Malaika wa ruhu fiha. La particularité de Laylatul Qadr là, il dit que les anges descendent. Mais la particularité de l'homme de l'Arafat qui est passé hier seulement, c'est Dieu même qui descend. Alors, alhamdulillah, aujourd'hui n'est que le jour de Na, le jour de l'immolation. Parce que Arafat a précédé, Arafat a déjeuné tout le terrain. Nous disons merci à Allah. Dieu, il s'appelle Tavayou, Ambatou. Pendant les 10 premiers jours, des jours de tout diable, on sent l'apparence de Dieu. Tout est fait le jour, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté de le mois de Ramadan, c'est la nuit. Dieu s'appelle aussi Al-Badim, tout est caché. Haïdara. Et c'est comme ça que Dieu est. Souvent, il fait apparaître certaines choses, souvent aussi, il cache certaines choses. Et tout relève de cette dimension à Zahou et Al-Badim. Nous prions Allah que Dieu nous garde longtemps ensemble. Amen. Et nous souhaitons tous bonne fête de l'île du Kabir. Mais en même temps, nous mettons en garde. Il y en a qui ne se sont pas bien frottés avec la viande. Ils attendent la nuit pour venir se déchaîner. Par contre, faites attention. Maintenant, la viande, c'est ce que tu manges pour tout le monde. Donc, on fait modérément. On mange doucement, doucement. Ne faites pas comme les poulets, comme les traoulés, n'est-ce pas? Et les quintas. Donc on marche, on mange, on boit les noms, on est tourné. On fait confiance. Inch'Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.